Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va installer Portal Apps sur une clé USB. Ça sert à quoi? Ça sert à emporter tous vos logiciels préférés sur une clé USB. Et comme ça, quand vous allez à la téléboutique, je sais pas moi, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, vous avez toutes les applications dont vous avez besoin dans une clé USB. Ok, donc là on va aller dans téléchargement. Hop. From téléchargement, et là il va télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé. Ça il télécharge. Moi j'ai déjà fait. Ensuite, ce qu'on fait dans notre téléchargement, il est là. On met directement dans notre sur notre clé USB. Là, voilà. On va sur notre clé USB. On clique dessus. Français. On met suivant. J'accepte. Nouvelle installation. Là, installé dans un périphérique portable, stockage en nuage, local, local. Nous, c'est en portable, donc USB. On met suivant. Nous, c'est bien le E. Suivant. Et on installe. Et là, ça va s'installer. Donc, on attend un peu. Donc encore une fois, merci à mes chers amis maghrébins, surtout ceux de l'Algérie et du Maroc. J'ai dit Algérie en premier parce que c'est eux qui me suivent le plus. Et après le Maroc, marhaba bikoum, kjibikoum. J'ai aussi un peu d'égyptien, marhaba bikoum. J'espère que vous avez compris mon accent, parce que les égyptiens, ils parlent d'une autre manière. Marhaba bikoum. Super. Là, on a tout. Super. Plateforme. Hop. On va dans application. Application, on a rechargé. Ok. Donc là, il va vérifier. Super. Maintenant, on installe ce qu'on veut. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? On se tourne les suivants. Et là, elle va tout nous installer. Je vous redis à tout de suite, Inch'Allah. L'installation est terminée. On a tout. Donc, on peut aller dans utilitaire, par exemple. On a tout cela en utilitaire, sécurité. On peut aller en musique. Voilà, donc tout ça, vous pouvez l'emmener où vous voulez quand vous êtes en voyage. Voilà, donc c'est un mini PC. C'est un mini PC, vous avez avec tout ce qu'il faut. Abonnez-vous, likez, merci à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine fois, ciao.